Quand la lutte des classes se rappelle à notre bon souvenir, la direction d'Air France croyait s'en sortir une fois de plus en demandant de nouveaux sacrifices au personnel et en programmant la suppression de près de 3000 postes après les 5000 postes supprimés l'an dernier. Mais le comité central d'entreprise de la compagnie, à Roissy en France, fut interrompu par l'intrusion d'un millier de travailleurs qui s'en sont pris à ceux qui refusaient jusque-là de leur parler, les dirigeants d'Air France. Deux d'entre eux durent fuir sous la protection de leur garde du corps, non sans avoir sacrifié leurs belles chemises immaculées à la colère des manifestants. Bien sûr, juste après ces échauffourées, les témoignages scandalisés se sont succédés chez les personnalités de droite et de la gauche de droite, qui ont tous dénoncé la violence des syndicalistes et appelé au dialogue social, sans jamais mentionner la violence des plans sociaux menée dans le seul intérêt des actionnaires d'Air France et de leur plus-value. Sans parler non plus des violences policières intervenues ce jour-là contre des manifestants qui étaient, dans leur majorité, tout à fait pacifiques. Après ces incidents, les deux parties se sont livrées à une bataille de communication avec la réalisation d'un clip par Air France dans lequel des personnels se disent fiers d'appartenir à cette entreprise. Sont-ils eux-mêmes concernés par le plan de licenciement? On aimerait bien le savoir. Ce que vous avez vu lundi, ce n'est pas le vrai visage d'Air France. Air France, c'est ça. Air France, c'est nous. Et Air France, c'est pour vous. Air France, c'est l'attention que l'on vous porte, vous offrir le meilleur. Ofrecerles lo mejor. Air France, c'est ça, c'est nous, c'est pour vous. Air France is here for you. C'est pour ça que je suis fier de travailler pour Air France. Je suis fier de travailler pour Air France. Fier de mon métier. Proud of my job. Fier de mon métier. Parents, c'est vous, et c'est nous. Air France, c'est ça, c'est nous, c'est pour vous. C'est nous, c'est pour vous. Air France, c'est ça, c'est nous, c'est pour vous. De son côté, la CGT Air France a fait preuve de plus d'originalité en réalisant un faux journal télé. Bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour Ryan. Mais je vois que vous arborez une magnifique chemise déchirée en solidarité avec les cadres dirigeants qui ont subi le petit bizutage improvisé. Ben oui, Amy. D'autant que quand on voit les images, la première question qui se pose, c'est « Météo bégougne ». C'est vrai que c'est chaud le métier de DRH fusible. Le matin, tu te lèves au café cracotte et caviar et à midi, tu escalades les grilles, le téton à l'air. Pendant ce temps-là, Bégougnou boit son coup avec les émirs et disserte sur le travail des enfants qui semble moins fainéant dans les pays du tiers-monde. Oh, vous êtes du Ryan. Mais c'est pas faux. En même temps, si Bégougne avait été dans la salle, je pense que la chemise du DRH serait toujours propre et bien repassée. Ah! On vient de recevoir une dépêche. Oh ! On a retrouvé la chemise du DRH. La conclusion est sans appel, c'est une chemise low cost. Comme quoi, l'habit ne fait pas de moine, me direz-vous. Hein. C'est ça qu'on appelle le tissu social ? En fait, le principe est le même que pour l'aérien. Si la direction prend le chemin du low cost, le modèle est dangereux pour tout le monde. Et c'est pour ça que notre tissu social est truffé de mythes. Toute cette violence m'angoisse, Ryan. Ne vous inquiétez pas, Amy, ils vont bien lui rembourser sa chemise, hein.
Non, je parlais de la vraie violence. Les licenciements, les drames psychosociaux, les suicides de salariés. Toute cette violence économique faite au monde du travail et que les médias refusent de traiter. Et en effet, le clip pose la bonne question. Si la violence est toujours odieuse, elle n'est pas sans cause et peut être le résultat du mépris subi pendant des années et du désespoir provoqué par une situation injuste qui vous est faite. Comme le rappelle le sociologue David Courpasson dans une tribune à Libération le 6 octobre, la chemise immaculée qu'on arrache symbolise la distance croissante entre les gens du bas, en blouson, et ceux du haut, en chemise blanche. La lutte des classes, quoi. Contrairement à ce qui est raconté à longueur d'antenne dans les médias dominants, qui décrivent une réalité sociale apaisée, un dialogue social fécond, et qui parlent de nécessité pour expliquer les décisions douloureuses des directions des grandes firmes, l'entreprise renferme des luttes, des rancœurs, des injustices et des humiliations qui peuvent expliquer la colère. Il y a la violence des chemises déchirées, certes, mais il y a aussi celle des licenciements massifs et de leurs effets dévastateurs sur les salariés et leurs familles, et tout un tissu social autour d'eux. Licenciements qui s'accompagnent souvent de divorces, de dépressions, d'expulsions de son logement, d'alcoolisme et autres suicides. Finalement, l'État, actionnaire majoritaire d'Air France, arbitre partial de ce conflit, a choisi la répression. 6 salariés de la compagnie ont été arrêtés à leur domicile. Et depuis, une coalition électorale rouge et verte à Bordeaux, Vague Citoyenne, appelle à déposer ses chemises blanches usagées aux portes des préfectures pour obtenir l'abandon des poursuites contre ces salariés. Il est possible de signer leur pétition ici.